Patrick Mathioni, sans doute l'un des plus doués de la gymnastique française, un des leaders de cette gymnastique depuis que Vatuone et Barbieri ont arrêté la compétition. C'est en tout cas le géant de l'équipe de France. Pensez, il mesure 1m77, taille immense pour un gymnaste. Il est effectivement très talentueux. Il a repris ses marques pour la reprise de sa saison il y a 15 jours à Stuttgart lors d'un grand tournoi qui rassemblait des champions. Et il semble fin prêt maintenant pour conquérir un titre durement. Oui, car Chevalier, Cotterman, Mathioni, Carmona, la bagarre est ouverte, sachant que Frédéric Longuepé a dû déclarer forfait à cause d'une blessure contractée lors du tournoi de Barcelone la semaine dernière. Et effectivement, là. Mais c'est un gymnaste qui est connu pour son calme et sa grande sérénité en compétition. Espérons que cela le serve aujourd'hui. La dernière diagonale pour Mathioni. En double salto groupé arrière, double saut périlleux arrière pour Mathioni. C'est propre. C'est très propre, mais il a surtout présenté dans les deux premières lignes acrobatiques des exercices de grande virtuosité, tels que, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, on va nous gratifier notre réalisateur. C'était carrément la troisième, le double saut périlleux, mais enfin, cela n'enlève pas le mérite sur les deux premières. Voilà, nous retrouvons tout de suite après ce dernier ralenti que nous offre Jean-Louis Machu. Nous retrouvons tout de suite pour la deuxième rotation. Nous essayons de vous offrir un échantillon le plus large possible, sachant que 48 gymnastes se produisent sur 10 appareils en simultané.